C'était une élection très attendue. Après celle de Miss France 2022, une autre Française était très attendue lors de l'élection de Miss Univers 2021. En effet, pour cette 70e édition, la France était représentée par Clémence Bottineau. Et le résultat est tombé dans la nuit du dimanche au lundi 13 décembre, la grande gagnante est Miss Inde, succédant ainsi à la Mexicaine, Andrea Mesa, Miss Univers 2020. Notre Française est quant à elle arrivée dans le top 10 du classement. Une belle performance pour Miss France 2020. Mais l'élégance et la première allocution de l'Indienne, prénommée Arna Sandhu, ont tout emporté sur leur passage. Clémence Bottineau aura tout de même été éblouissante, notamment dans son costume rendant hommage à Joséphine Baker. Un joli parcours pour la Guadeloupéenne qui n'était pas certaine de pouvoir représenter la France. En effet, quelques jours avant sa participation au concours, la jeune femme a annoncé sur ses réseaux sociaux une bien mauvaise nouvelle. Miss France 2020 avait été testée positive au Covid, dès son arrivée en Israël, pays où s'est déroulée la cérémonie de Miss Univers 2021. Clémence Bottineau, touchée par le Covid, un verdict qui l'avait chamboulé. Quand on m'a annoncé mon résultat, je n'ai pas hurlé car l'organisation a laissé la porte ouverte pour la suite de l'aventure. Cependant, en appelant mes proches, j'ai commencé à pleurer, j'étais dévastée. Je me suis sentie un peu la bête noire car j'étais la seule à avoir le Covid sur les 80 participantes, avait-elle confié aux Parisiens. Elle avait alors eu très peur, parce qu'on a fait ce qui était presque impensable et digne d'un film. C'était tellement gros qu'à un moment donné, il faut en rire. Tout aurait pu bien se passer. J'y étais presque, j'ai quand même réussi à prendre l'avion. Mais encore une fois, le Covid a chamboulé ma vie, avait-elle déclaré à LCI. Heureusement tout est rentré dans l'ordre pour Clémence Bottineau, j'ai purgé ma peine et le pire n'est finalement pas arrivé. Loading DJ.